tous les fans du resto et ses copains agriculteurs vont bien rigoler. Sa tête de gros nain en tempura, son riz au chiso perlé, ses concombres, pickles et sa glace au thé, vanille et confiture. Yuri, la gala! Regardez-nous! C'est moi celle! On a pas mis le très joli. T'as dit la meilleure cuisinière. Yuri, la gala. Le guide fooding, c'est quand même très parisien. Quand tu regardes le nombre d'adresses qu'il donne, c'est beaucoup d'adresses de Paris. Et on a été choisi parmi les adresses de la province. Et en plus, la chef a été choisie comme étant meilleure cuisinière. C'est la première fois qu'ils élisaient une femme. Je n'ai pas pensé qu'on était dans le guide. Je pense moi-même, est-ce que je suis le cuisinier professionnel ? Plutôt, peut-être, je fais comme à la maison. J'ai amené dans un restaurant. Outre le fait, si tu veux, que la soirée, effectivement, s'était un peu décalée par rapport à nous, par rapport à Yuri, parce que effectivement, il y avait des tas de vedettes, il y avait des tas de... À la limite, je trouvais pas mal, quoi, comme truc. Joyeux bazar, etc. Je trouvais, plutôt que de faire un style les Molières, le machin, truc. La consécration, ça a été la consécration de la cuisine d'abord. Et de la cuisinière, bravo, mais de la cuisine d'abord. Je pense qu'on doit être le seul restaurant en France ou même en Europe qui est toqué au niveau du Go Emilio et qui n'y a même pas marqué restaurant dehors, quoi. C'est-à-dire que vraiment, quand on a envie de venir manger, il faut y venir, quoi. J'avais envie que les gens viennent de façon volontaire chez moi pour venir goûter le thé, pour venir le découvrir. Et bon à mal an, j'ai trouvé que le thé, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il y ait aussi un support gustatif qui était la nourriture. Et j'avais un petit peu au Japon appris à faire de la cuisine entre guillemets japonaise. Et donc j'en faisais un tout petit peu dans mon petit coin et j'ai commencé à avoir des clients. Et... arrive à ce moment-là une personne qui avait tenu un restaurant pendant 14 ans au Japon, qui a appris la cuisine avec sa grand-mère, sa tante, sa mère. Et on s'est mis à ce moment-là à discuter sur l'approche des choses et sur ce qu'on avait envie de faire et quoi faire passer et comment le faire passer. Et on est tombé véritablement d'accord sur la majeure partie des choses. Et donc, ben voilà, ensuite on s'est associé, monté une société, et depuis, ben voilà. Attardons-nous à celui qui invente derrière, pas obligé d'inventer, mais au moins mettre les produits qu'il faut, quoi. Recherchons un peu la qualité, et derrière, faisons vivre un peu les petites gens, le petit producteur qui va... C'est une démarche que beaucoup de chefs font maintenant. Quelqu'un qui veut travailler avec moi, je lui demande en premier qu'il me connaisse, qu'il vienne me rencontrer. Après, s'il y a une exigence à la limite ou une demande, c'est pas une exigence, c'est une demande de sa part, on peut voir si on est capable de le faire ou pas. Et après, s'il est quand même satisfait de ce qu'on fait, s'il vient me rencontrer, c'est qu'il pense que bon, il peut travailler avec nous. Et après, c'est de là où on parle quantité, ou produit, ou prix. Maintenant, on a 6-7 restaurateurs, on travaille très très bien. Alors, on a trouvé une nouvelle manière. Ils viennent directement au marché, se servir. Il n'y a aucune préparation chez nous en amont. Ils ne passent pas de commandes. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Et ils prennent ce qu'ils ont besoin. Et après, commercialement, on a trouvé un intérêt d'entente. Est-ce que vous avez cette aubergine? J'ai de l'aubergine. Et j'ai trouvé aussi très très intéressant de dire... et elle était tout à fait d'accord avec moi de dire on va faire quelque chose mais avec des produits du sud-ouest, des produits locaux, travailler avec des AMAP, travailler avec des petits producteurs qui sont aussi rigoureux que nous dans la recherche de la perfection, dans la recherche de vraiment du produit naturel, du produit bio, etc. etc. C'est vrai que ma cuisine il a besoin d'un peu d'acidité parce que je sers beaucoup de poisson cru et à la place de vinaigre, quelque chose relevé. Mais il ne faut pas rester trop longue.
Mais le banc de cheveux, il ne reste pas trop long. Plutôt, il est arrondi. Très, très bien. Les articulations entre la culture béarnaise, nos vins, notre terroir, que je pense dans une sphère de belle qualité, viennent s'articuler avec une culture transocéanique, qu'elle soit bien évidemment japonaise. On a des articulations évidentes en termes gastronomiques, en termes de goût. J'ai vu vos réflexions par rapport à votre cuisine, par voir les possibilités, le potentiel, mes vins comme élément du potentiel que vous offrez donc sur votre table. J'en suis franchement très touché. Quand on choisit mon vin, j'en suis touché, quoi, en fait. Elle arrive à quelque chose d'extraordinaire, elle arrive à faire oublier l'énorme technique qu'il y a derrière ce qu'elle fait, les gestes techniques avec une précision infime, extraordinaire, millimétrée, et donc refaire sortir le goût du produit ou le renforcer. Et c'est là où on s'est retrouvé. Ma démarche, c'est je ne suis que le transmetteur. Moi, je travaille avec les gens. Ouais. Je ne travaille pas avec objets. Quand même, ils ont de passion. C'est ça qu'automatiquement, ils font de bonnes choses. Il y a une relation de confiance qui s'établit. Et la relation de confiance, elle est primordiale. Il y a des différences d'année en année en fonction des fruits de saison. Si l'année, par exemple, s'il y a de la châtaigne et des fennes, le fenne, c'est le fruit du hêtre, c'est une, la châtaigne toute plate, c'est hyper sucré. S'il y a plus de ça que de gland, c'est sûr que la viande va être plus sucrée que s'il mange du gland, par exemple. Il y a des années à gland, il y a des années à châtaigne. Tous ces petits qui vont, ils vont vivre toute leur vie ensemble avec les copains des voisins. Et après on les met en montagne sur l'exploitation. Quand je cuisine, toujours dans ma tête, les visages de clients, ça c'est sûr. Ouais. Je demande toujours à serveur, serveuse. Je lui demande que c'est qui est venu, qui sont là maintenant, comment il est, comment il mange. C'est pour moi très important. Si je ne connais pas, je travaille comme machine. Comme je peux imaginer ses visages, c'est ça que j'arrive à cuisiner. Moi, je ne sais pas faire autrement. Le respect de la nature chez le japonais est omniprésent. Et puis surtout, tu retrouves aussi chez les gens, chez les personnes, tu vois, qui sont sur ce terre-là, une similitude dans l'approche de la terre, dans ce qu'ils ont envie d'en faire, dans ce qu'ils ont envie de donner. Et tu retrouves la même chose quand tu vas chez le producteur de porc noir du Pays Basque ou la marque pour la MAP ou chez Grussotte, et même le marin pêcheur, quoi, en fait. Bon, le gars, celui de Saint-Jean, chez qui Yuri se sert, quoi, c'est je refuse d'aller racler les fonds, et tel poisson, c'est telle période, et vous faire voir qu'il y a du joli poisson. Il suffit de savoir, de savoir le préparer. Pour le faire ressortir, pour faire ressortir son goût. C'est là où Madame Yuri intervient, quoi. Elle dit, et elle a raison, c'est le produit qui fait la recette et pas l'inverse. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Il faut être malin, il faut réfléchir. Et utiliser tout jusqu'au bout, comme Yuri en cuisine va utiliser tout jusqu'au bout et au maximum. Quand elle fait des rallyes, c'est avec la fan. C'est super bon. On mange, d'ailleurs, le gars de Fooding a remarqué ça, il a mangé des arêtes de grondin, quoi. Des chips d'arêtes, c'est... La cuisine japonaise, il y a la technique, ça c'est énorme. Il y a les procédés, c'est-à-dire les cuissons, ils ont beaucoup plus de façons de cuire que nous. Et puis, il y a le temps.
quand elle fait des bouillons de dashi, c'est un peu les fonds de veau chez nous, ou c'est du bonite, c'est comme un thon, où ils font sécher le filet pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, tu ne peux pas l'utiliser. Laisser faire le thon au thon et aider derrière, voilà, accompagner, quoi. Donc on s'accompagne tous les deux. J'essaye. Ah, c'est joli, j'aime.